Une délégation de l'Union européenne était chez la ministre de la Justice et garde des Sceaux au menu des échanges. L'engagement de l'UE dans le secteur de la justice en RDC, occasion également d'évaluer les avancées et noter les difficultés rencontrées. L'Union européenne engagée dans le secteur de la justice en République démocratique du Congo. C'est ce que son ambassadeur au pays était venu dire à la patronne de la justice et garde des Sceaux. L'UE a signé un nouveau programme l'an dernier dont la mise en œuvre doit commencer. Pour Jean-Marc Châtaignier, c'est un partenariat conjoint qui s'inscrit dans l'accompagnement de la démarche de la ministre de la Justice et garde des Sceaux. Nous avons parlé avec la ministre de deux palais de justice qui sont en train de se construire et d'être finalisés. Un à Tchapa, que nous devrions pouvoir inaugurer ensemble avec madame la ministre au mois de septembre. Et l'autre à Goma, dont les travaux sont en train aussi de se finaliser. J'espère qu'il n'y a pas eu de dégâts ou qu'il n'y aura pas de dégâts liés aux événements sismologiques de Goma. Mais effectivement, nous travaillons aussi et nous entendons nous concentrer spécifiquement sur quelques provinces pour montrer que nous pouvons faire davantage et mieux sur ces provinces. Présent depuis 44 ans en RDC, Médecins sans frontières voudrait déployer ses activités à travers le pays dans le respect du droit international, humanitaire et la protection médicale dans son ensemble. MSF compte donc sur la voix de Rose Mutombo-Kiesse. La question de l'accès humanitaire est une préoccupation quotidienne pour MSF en tant qu'acteur humanitaire médical sur l'ensemble du territoire de la RDC. MSF est présent sur une vingtaine des 26 provinces que compte la RDC. Donc la préoccupation d'MSF concerne l'entièreté de ses activités. Maintenant, on déplore certains un nombre d'incidents davantage élevé à l'est de la RDC qui nous a malheureusement conduit à certaines décisions de fin d'activité dues à un certain nombre d'incidents. La ministre de la Justice et garde des Sceaux est une fierté pour la société civile en général et pour les femmes en particulier. Affirmation de l'ABFND, dont les matériels, y compris une clinique mobile équipée, sont bloqués au port de Matadi et le dossier est au niveau des finances. Le lieu pour Karine Elima de faire le plaidoyer. Nous avons réussi une clinique mobile équipée qui est venue du gouvernement britannique pour appuyer les femmes, pour aider les femmes pendant l'accouchement, la prise en charge des victimes de violences sexuelles, la prise en charge des soins après avortement. Et ce matériel est là depuis le mois de septembre jusqu'à aujourd'hui. C'est encore dans le port de Matadi. Et nous avons vraiment des difficultés pour récupérer nos matériels. Nous sommes venus pour que la ministre soit notre porte-parole auprès du ministre des Finances pour essayer de voir comment aider ABF à récupérer ces matériels qui va servir pour le bien-être de la population congolaise. Chaque groupe qui a rencontré la ministre de la Justice et garde des Sceaux est rentré convaincu de son accompagnement et surtout de son souci de matérialiser les réformes dans le secteur clé de la justice.